dialogue de Marrakech nous a permis, vous l'avez pu le constater, d'échanger avec des anglophones, des gens du Nigeria, d'Afrique du Sud, de l'Angola, du Maroc, d'Égypte et d'ailleurs. C'est ce qui fait aujourd'hui cette plus-value. Et alors je terminerai en disant que le temps maintenant est à l'action. Parmi les autres défis auxquels nous sommes confrontés au Sahel, c'est le défi du terrorisme. Vous avez suivi aujourd'hui que la réunion de Paris sur le Sahel. Le Sahel constitue aujourd'hui une menace sécurité sérieuse et il faudra lui apporter une réponse concertée. Bien sûr, le volet militaire et sécuritaire, l'échange d'informations, il reste important, mais ce qui est plus important, c'est le volet politique, c'est-à-dire construire des espaces démocratiques. Et le plus important, c'est le volet économique, c'est-à-dire grâce à une bonne gouvernance, grâce à des politiques audacieuses pour pouvoir créer de la croissance et de la richesse.